et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus dans vos instants de prière atomique. Nous allons entrer dans une profondeur de la prière. Aujourd'hui, nous voulons prier pour commencer notre journée. Nous voulons commencer une journée sous les regards du Seigneur. Et nous voulons commencer une journée en détruisant toutes les œuvres de l'ennemi. Vous savez, l'ennemi travaille la nuit pour mettre des pièges et des embuscades sur votre journée. Alors, si tu commences ta journée sans la prière, tu es parti pour avoir une journée complètement déprimante. Alors, je vais vous conduire dans quelques passages de la Bible et nous entrons directement dans la prière. En fait, nous allons faire des prières inhabituelles. Nous allons faire des prières vraiment atomiques pour commencer la journée. Nous allons faire des prières atomiques pour commencer la journée. Vous allez atomiser toutes sortes d'ennemis. Vous allez atomiser toutes sortes de plans et de la sorcellerie. Nous allons attaquer. Aujourd'hui, là, c'est la prière atomique. Tu vas préparer ton chemin à planir tes sentiers avec le feu de Dieu, au nom puissant de Jésus. Ouvrons pour commencer la journée. Ne commence jamais ta journée sans prier. Ne commence jamais ta journée sans prier. Une journée a 24 heures. Et nous allons commencer. Je vais vous donner 24 sujets de prière. Et nous allons aller rapidement. Vous allez frapper. Donc, soyez déjà prêts. Je veux une équipe dynamique. Je veux des soldats. Je veux des commandos. Des gens qui s'élèvent pour bombarder le camp de l'ennemi. L'ennemi ne te vaincra pas aujourd'hui. Je le dis encore, l'ennemi ne te vaincra pas aujourd'hui. Somme chapitre 5, verset 4. La Bible dit, « Éternel, le matin, tu entends ma voix. » À quelle heure? Le matin. Le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Le matin, tu entends ma voix. Ta voix, les prémices de ta voix doivent aller à Dieu le matin. C'est bien de dire bonjour à ta famille, mais les prémices de ta voix doivent aller au Seigneur. Toutes les fois que mes yeux s'ouvrent, le premier mot que je dis, c'est merci Seigneur. Parce que ma vie ne me vient pas de quelqu'un d'autre, ma vie me vient de Dieu. Ta voix doit monter vers Dieu. Commence à donner un ton à ta journée. Je parle du matin. Ouvre dans Somme chapitre 101, verset 8. Je vous donne trois passages de la Bible. Nous allons lire et nous entrons directement dans la prière. Somme chapitre 101, verset 8. Je sens l'envie de prier et je veux prier avec quelqu'un. Vous savez qu'ici, nous ne venons pas prier pour vous, mais vous et nous ensemble, nous prions. Donc je viens comme un coach de la prière, un coach de la prière atomique. Prépare-moi les bombes, prépare-moi les missiles. Nous allons bombarder et atomiser le camp de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Somme chapitre 101, verset 8. La Bible déclare, « Chaque matin, je réduirai au silence tous les méchants du pays, afin d'exterminer de la ville de l'Éternel, tous ceux qui commettent l'iniquité. » La Bible dit chaque matin, le matin, une mission t'est assignée. Celle de réduire au silence les méchants. Qui? Les sorciers. Qui? Les marabouts. Qui? Les gens qui font des imprécations, des incantations. Les méchants, les jaloux. Tu vas les exterminer. Chaque matin, il dit ma mission est de réduire au silence tous les méchants. Les méchants n'ont pas de séjour à côté des justes. Les méchants n'ont pas de séjour à côté de toi. Les méchants n'ont pas de séjour. Les méchants du travail, les méchants de la famille, les méchants de tes entreprises. C'est l'heure d'atomiser. Parfois, tu te retrouves devant ton bureau, tu entres comme ça, tu trouves qu'on t'a posé des fétiches. C'est les méchants qu'il faut réduire au silence. Leurs fétiches ne doivent pas parler. Je dis leurs fétiches ne doivent pas parler. Les incantations qui ont été faites la nuit contre toi, elles doivent être réduites au silence et elles seront réduites au silence au nom puissant de Jésus. Vous voyez que le matin, on peut commencer à atomiser. Donc nous commençons ce matin par atomiser. Nous allons atomiser. Je relis ce passage. Somme chapitre 101 au verset 8, c'est le dernier verset. Il dit « Chaque matin, je réduirai au silence tous les méchants du pays. » Chaque matin. Et il dit « Afin d'exterminer de la ville de l'Éternel, tous ceux qui commettent l'iniquité. » Qui commettent l'iniquité, ce sont les méchants. Alors, sois sans miséricorde. Ça, ce sont des prières sans miséricorde. C'est des prières atomiques. C'est des prières sans miséricorde. Somme chapitre 143, verset 8. Somme chapitre 143. Dès le matin, nous commençons.
Ah bon, nous on croyait que la guerre spirituelle c'était la nuit. Ah, il n'y a pas que la nuit. L'ennemi travaille à tout moment. Alors il faut l'atomiser également à tout moment. Psaume chapitre 143 au verset 8. La Bible dit, fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Waouh! Dès le matin, je veux déjà palper les bontés de Dieu. Dès le matin, je veux connaître le chemin par lequel je dois passer. Dès le matin, je veux fonctionner avec Dieu. Dès le matin. Donc, fais-moi connaître ta bonté le matin. Que Dieu t'arrose de la rosée de sa bonté. Que Dieu te visite de la visitation de sa fidélité. Que Dieu mette un chant de louange entre tes mains. La Bible me dit, voici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour moi un sujet de joie. Je veux que tu viennes maintenant dans la présence de Dieu. Concentre-toi parce que la prière est une affaire de concentration. Oublie tout ce qui s'est passé. Oublie les attaques que tu as vécues. Oublie ce que tu as comme nouvelle. Rentre dans la présence de Dieu. Rentre dans sa présence avec action de grâce. Rentre dans sa présence avec reconnaissance. Prie le Seigneur ce matin. Commence à remercier Dieu pour la vie parce que c'est lui qui te donne la vie. C'est lui qui te donne la santé. C'est lui qui te donne la paix et la joie. Élève ta voix, prie le Seigneur. Yahweh, mon Dieu, je te remercie pour la vie. Je te remercie parce que Père Tout-Puissant, mon Père et mon Dieu, la Bible me dit que tes bontés ne sont pas épuisées et que tes compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin car ta fidélité est grande. Éternel des armées, je m'approche de ta présence. Je m'approche pour te dire merci. Je te remercie pour la vie. Je te remercie parce que si je vis, Seigneur, ce n'est pas le fait du hasard. Si je vis, Seigneur, ce n'est pas le fait de l'habitude. Mais si je vis, c'est parce que c'est toi qui le veux. C'est toi qui me donnes la vie. C'est toi qui me donnes, Père Tout-Puissant, mon Père et mon Dieu, le mouvement. La Bible me dit qu'en toi, nous avons le mouvement, l'être et la vie. La Bible dit qu'en toi, nous avons la respiration et la vie. C'est toi qui me fais respirer. Je te remercie pour la respiration. Je te remercie parce que la nuit dernière, j'ai dormi dans une inconscience semblable à mort, Seigneur, mon Dieu, exposé à toutes sortes de mal. Tu n'as pas permis que le mal m'atteigne. Tu n'as pas permis que l'ennemi vienne, Seigneur, mon Dieu, à bout de moi. L'ennemi est venu sûrement comme un fleuve, mais ton esprit l'a mis en fuite. L'ennemi est venu comme un fleuve. Tu as élevé un étendard contre lui. Il a fui devant moi, Yahweh. Je te remercie, Père Tout-Puissant. Car si ce n'est pas toi qui me gardais, si ce n'est pas toi qui gardais ma maison, si ce n'est pas toi qui gardais ma famille, si ce n'est pas toi qui nous protégeais, Yahweh, les hommes nous auraient exterminés. Les hommes en auraient fini avec nous. Ils nous auraient engloutis tout vifs. Yahweh, merci pour les combats invisibles. Car tu as combattu, Seigneur, le combat que je ne voyais pas lorsque je dormais. Merci parce que, Seigneur, tu as libéré ton armée, Père Tout-Puissant, autour de moi, Seigneur, pour me protéger et pour me préserver. Car ta parole déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Merci, Père Tout-Puissant, pour ta protection invisible, ta protection divine, ta protection sur ma vie, Seigneur. Ta protection vaut mieux que tout pour moi. Je te dis merci. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant, Père Tout-Puissant, pour le fait que je marche. Si je marche, c'est toi qui me fais marcher. Si je parle, c'est toi qui me donne l'usage de la voix. Si je lève mes mains, c'est pour te glorifier et pour te célébrer. Yahweh, mon âme te bénit. Mon âme te célèbre pour la bonne santé. Je te remercie, Père Tout-Puissant, mon Père et mon Roi, parce que, Seigneur, je suis aujourd'hui la preuve de ta fidélité. Je suis la preuve de ta grâce. Je suis la preuve de ta bonté. Je célèbre ta bonté sur ma vie. Je célèbre ta bonté sur ma vie. Je célèbre ta bonté sur ma vie. Je te dis merci. Merci pour cette journée, car c'est la journée que l'Éternel a faite. C'est un sujet de joie pour moi. C'est un sujet d'allégresse pour moi. Yahweh, c'est avec joie que je viens dans ta présence. C'est avec joie que je viens devant ton trône. C'est avec joie que j'accède au Saint des Saints. Yahweh, mon Dieu, je bénis ton nom. Je te remercie, Père, parce que tu es toujours avec moi. Je te remercie parce que tu es mon Dieu. Je te remercie parce que tu es mon Seigneur. Je te remercie parce que tu es mon Roi. Je t'élève au-dessus de toutes choses. Je t'élève au-dessus des ennemis. Je t'élève au-dessus de la sorcellerie, je te lève au-dessus des attaques des ténèbres, je te lève au-dessus des puissances mystiques, je te lève, Yahweh, parce que tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être magnifié, tu es digne d'être exalté. Sois béni, Seigneur, et sois remercié encore en cette journée, au nom précieux et glorieux de Jésus. Alléluia, Seigneur. Amen, 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 amen.
Nous voulons prier et nous voulons élever Dieu au-dessus de toutes choses et l'adorer. Rends dans sa présence et adore Dieu. Adore l'Éternel. Adore l'Éternel. Élève l'étendard de ton Dieu. Élève ton Dieu comme un étendard sur ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Adore celui qui siège au-dessus de tout. Adore celui par qui tout existe. Adore celui qui est l'existence. Maintenant, élève ta voix, commence à élever et adorer l'Éternel. Yahweh, je t'élève. Yahweh, je t'élève au-dessus de tout. Je t'élève au-dessus de Satan et son armée de démons. Je lève au-dessus des sorciers, je lève au-dessus des marabouts, je lève au-dessus des imprécations, au-dessus des incantations du monde des ténèbres, je t'élève Seigneur au-dessus Père Tout-Puissant, ô Dieu des forces mystiques, je t'élève Yahweh au-dessus des attaques, au-dessus Père Tout-Puissant, mon Père et mon Dieu de toutes les stratagèmes, je t'élève parce que tu es le Dieu élevé, tu es plus haut que tout Seigneur, tout ce qui est élevé est en dessous de toi, je ne connais aucun autre Dieu que toi, je n'en veux même pas d'autre que toi Seigneur, tu es mon Dieu, tu es ma raison d'être, tu es ma raison de vivre. Seigneur, Isaïe a dit, je vis l'Éternel assis sur un trône élevé et les pans de sa robe remplissaient de temple. Je t'élève au-dessus de tout. Je t'élève au-dessus des puissances des ténèbres. Je t'élève, Yahweh, au-dessus de mes combats. Je t'élève, Seigneur, mon Dieu, au-dessus de mes craintes. Je t'élève au-dessus de mes difficultés. Je t'élève, Yahweh, mon Dieu. Sois béni, Seigneur. Sois élevé, mon Dieu. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir l'honneur. Le ciel est ton trône et la terre est ton marchepied. Le ciel est ton trône et la terre est ton marchepied. Tu es le Dieu qui siège au-dessus des étoiles. Et c'est toi qui as créé les étoiles et qui les a placées. Tu les connais toutes par leur nom respectif. Seigneur, je bénis ton nom. Je célèbre ta bonté. Je célèbre le Dieu Tout-Puissant que je sers. Le Dieu Tout-Puissant que nous magnifions. Papa, sois magnifié. Papa, sois exalté. Mon âme t'adore encore. Mon âme t'adore, Père. Mon âme t'adore parce que tu es digne. Tu es digne de recevoir l'adoration. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la magnificence. Laisse-moi t'adorer. Laisse-moi t'adorer ce matin. Pendant, Seigneur mon Dieu, que tu m'accordes la vie et que tu m'accordes le privilège d'être dans ta présence. Mon âme t'adore. Mashekata Rabasonto. Mon âme t'adore. Mon âme t'adore, Seigneur Jésus. Mon âme t'adore, car tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Mon âme t'adore, car tu es le lion de la tribu de Juda, tu es le rejeton de David. Mon âme t'adore, tu es la pierre angulaire, le rocher de mon salut, le pain qui est descendu du ciel, la manne cachée. Mon âme t'adore, le lys de la vallée. Mon âme t'adore, le mari de veuve, le père des orphelins. Mon âme t'adore, alléluia, ce matin, parce que tu es ma force, la force des faibles. Le défenseur de ceux qui n'ont pas de force, le défenseur de ceux qui n'ont pas d'avocat, l'avocat par excellence, laisse-moi t'adorer. Tu es ma force, tu es mon appui, tu es ma forteresse, tu es mon refuge, tu es mon bouclier, tu es tout ce que j'ai de précieux, Seigneur. Ma richesse, mon héritage, mon âme t'adore. Mon âme t'adore. Sois adoré, sois adoré. Esaïe a dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Tu es Jéhovah El Shaddai. C'est toi qui étais, c'est toi qui es, et c'est toi qui viens. Tu te suffis en toi-même. Laisse-moi t'adorer, l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. El Shaddai est ton nom. Jéhovah Nissi est ton nom. Elohim est ton nom. Adonai est ton nom. Jéhovah Mikedesh est ton nom. Jéhovah Elion est ton nom. Jéhovah Olam est ton nom. Jéhovah Osenu est ton nom. Jéhovah Gibor est ton nom. Jéhovah Elohenu est ton nom. Jéhovah Iloeka est ton nom. Jéhovah Jireh est ton nom. Jéhovah Rohi est ton nom. Jéhovah Rapha est ton nom. Jéhovah Shama, tu es présent. Jéhovah Shalom, tu me donnes la paix. Jéhovah Sabbath, tu combats pour moi et tu me donnes la victoire. Jéhovah Sikenu, tu es mon juste, tu es ma justice. Laisse-moi t'adorer, laisse-moi te magnifier encore en ce jour. Sois adoré, Yahweh. Alléluia. Toi qui vis au siècle des siècles. Alléluia. Au nom de Jésus. Nous voulons prier. Implorons le sang de Jésus sur nous. Avant de commencer à bombarder les plans de l'ennemi, nous voulons maintenant invoquer le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus sur ta vie. Il y a une
puissance incroyable dans le sang de Jésus. Et le sang de Jésus ne perdra jamais sa puissance. Il y a une puissance de protection. Il y a une puissance de couverture. Il y a une puissance de préservation. Il y a une puissance qui te protège dans le sang de Jésus. Qui te guérit dans le sang de Jésus. Qui te délivre dans le sang de Jésus. Nous voulons prier et demander que le sang de Jésus nous couvre. Que le sang de Jésus couvre nos familles. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Élève ta voix, prie le Seigneur. Yahweh, merci pour le sang de Jésus. Merci pour le sang de l'Alliance nouvelle. Merci pour le sang de la rédemption. Merci pour le sang qui me donne accès au Saint des Saints. Le sang qui me donne le droit de prier et d'avoir mes prières exaucées. Yahweh, mon Dieu, le sang de la guérison, de la délivrance, le sang de la protection. Yahweh, couvre-moi avec le sang de Jésus. Yahweh, couvre mon épouse et mes enfants avec le sang de Jésus. Yahweh, couvre ma maison dans les moindres coins et les moindres recoins avec le précieux sang de Jésus. Yahweh, mon Dieu, rends-nous invisibles, rends-nous intouchables, rends-nous inaccessibles devant les plans de l'ennemi, devant les flèches de l'ennemi, devant les attaques, devant les incantations, devant les imprécations, devant les programmations mystiques. Rends-nous invisibles, rends-nous intouchables, rends-nous inaccessibles au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus, qui parle mieux que le sang d'Abel, parle en notre faveur, qu'il parle pour nous, qu'il parle pour nous. Qu'il parle pour nous, qu'il parle pour nous, qu'il parle pour nous, qu'il parle pour nous, dans le nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus agisse, Seigneur, sur nos vies. Que le sang de Jésus agisse sur nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Yahweh, mon Dieu. Rends-nous invisibles dans les plans de l'ennemi. Rends-nous inaccessibles dans les plans de l'ennemi. Rends-nous, Seigneur mon Dieu, intouchables, invulnérables au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus, Yahweh, soit notre bouclier. Lorsque l'ennemi envoie ses traits enflammés, qu'il ne nous atteigne même pas, qu'il tombe, Seigneur, sous le pouvoir du sang de Jésus. Yahweh mon Dieu, établis ton bouclier sur ma vie, sur ma famille et sur ma maison. Au nom précieux et glorieux de Jésus, marque-nous du sceau de la victoire, car il est écrit, ils ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Marque-nous du sceau de la victoire, où que nous allions en cette journée, Yahweh, que le sang de Jésus marque sur nous le sceau de la victoire, le sceau de la victoire, le sceau de la victoire sur les démons, sur les magiciens, sur les sorciers, sur les imprécations, sur les incantations, sur les programmations, sur la malchance, au nom puissant de Jésus, sur les échecs, au nom puissant de Jésus. Jésus, sur les mauvais pronostics, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, merci Seigneur. Nous voulons prier le Seigneur. Nous voulons prier. Maintenant, tu vas rentrer maintenant dans la bataille. Tu vas rentrer dans la bataille maintenant. Il est l'heure pour toi de commencer à prier pour ta journée. Commence à atomiser ton cerveau avec la parole. Tu vas prier que ton cerveau soit renouvelé, que ton cerveau soit rafraîchi. Au nom puissant de Jésus, vous savez que le diable attaque beaucoup par le cerveau. Et puis, il commence à vouloir attaquer ta mémoire. Tu vas demander que ton cerveau soit couvert par le sang de Jésus. Et que ton cerveau soit renouvelé. Que ton cerveau soit rafraîchi. Au nom puissant de Jésus, lève ta main droite et dis avec moi, Père, au nom de Jésus, couvre mon cerveau avec le sang de Jésus. Renouvelle mon cerveau. Renouvelle mon intelligence. Renouvelle mes forces. Renouvelle mes pensées dans le nom de Jésus. Et prie maintenant le Seigneur. Yahweh mon Dieu, que mon cerveau soit renouvelé dans le nom de Jésus. Seigneur, de la même manière que tu renouvelles tes bontés, rafraîchis mon cerveau par le sang de Jésus. Que mon cerveau soit renouvelé en cette journée pour des idées révolutionnaires, pour des idées nouvelles, pour une nouvelle sagesse, une intelligence, Seigneur, mon Dieu, mon Père et mon Roi, plus glorieuse, dans le nom puissant de Jésus. Renouvelle, Seigneur, mon cerveau, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vas prier maintenant et tu vas demander que les flèches de l'échec en cette journée qui sont visées contre toi retournent comme un boomerang à l'expéditeur. Lève ta main droite et dis avec moi, Père, au nom de Jésus, que toutes les flèches de l'échec qui sont lancés pour me cibler, retourne à l'expéditeur. Au nom puissant de Jésus, lève ta voix, commence à prier. Retourne à l'expéditeur, retourne à l'expéditeur. Prie. Au nom de Jésus, je commande maintenant
que toutes flèches de l'échec qui sont lancées contre moi en cette journée pour inscrire ma journée dans le registre de l'échec retourne comme un boomerang à l'expéditeur au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je demande maintenant que toutes les flèches, Seigneur, retournent. Je commande que les flèches retournent. Je commande que les flèches retournent. L'expéditeur, Seigneur, du Nord, l'expéditeur du Sud, l'expéditeur de l'Est et de l'Ouest, que les flèches lui retournent, qu'elles lui retournent, qu'elles lui retournent, qu'elles lui retournent dans le nom de Jésus. Je révoque, Seigneur mon Dieu, les flèches de l'échec sur ma vie, sur la vie de mes enfants, sur leur scolarité, en cette journée, dans le nom puissant de Jésus, sur la vie de mon épouse, je révoque les flèches de l'échec en cette journée, sur mon planning de la journée, Seigneur, au nom puissant de Jésus, je révoque les flèches, je commande qu'elles retournent à l'expéditeur, qu'elles retournent à l'expéditeur, qu'elles retournent à l'expéditeur, qu'il soit surpris de voir ces flèches lui revenir dessus, dans le nom de Jésus, de la même manière que Mardoché a vaincu Aman, que tous les Amans de ma vie voient leurs flèches soudainement revenir vers eux, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, qu'elles retournent, qu'elles retournent, qu'elles retournent, au son de ma voix, que les flèches retournent aux expéditeurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia Seigneur, merci mon Dieu, merci mon roi. Nous allons prier maintenant. Vous savez, pendant la nuit, l'ennemi travaille. L'ennemi travaille pour miner votre vie. Il travaille pour vous mettre sous sa domination, vous assujettir pendant toute la nuit. Alors nous voulons attaquer maintenant tout pouvoir qui a passé la nuit à nous détruire, à travailler contre nous. Que le soleil les expose maintenant. Lève ta main droite et dis avec moi, Père, au nom de Jésus, que tout pouvoir qui a passé sa nuit à travailler contre moi, que le soleil l'expose, que le soleil l'expose, que le soleil l'expose, que le soleil l'expose avec ses œuvres. Au nom de Jésus, prie le Seigneur, alléluia. Yahweh, mon Dieu, que tout pouvoir qui a passé la nuit à travailler contre moi, à travailler contre ma journée, à travailler contre ma famille, à travailler contre ma destinée, que le soleil s'élève, que le soleil s'élève sur leurs œuvres et que le soleil les expose au nom puissant de Jésus. Que le soleil les expose, que le soleil les expose, que le soleil les expose, que le soleil les expose au nom puissant de Jésus. J'anéantis leur force, j'anéantis leur pouvoir. Expose-les Yahweh, expose-les Yahweh, expose-les Yahweh, expose-les Yahweh, expose-les Yahweh. Par ta puissance, les choses révélées tu nous donnes, révèle-nous leurs œuvres. Expose leurs œuvres, expose leurs œuvres, afin que nous dominions sur eux dans le nom de Jésus. Expose-les au soleil Yahweh, au soleil de ce jour. Le soleil expose mes ennemis, le soleil expose leurs mauvaises œuvres. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Tu vas prier, nous allons attaquer. On continue, on continue. Je veux que tu boues dans cette colère, que tu boues dans cette colère sainte. Ta journée ne sera pas gâchée au nom de Jésus. Tu as peut-être dormi en appréhendant, mais ta journée ne sera pas gâchée dans le nom de Jésus. Nous voulons nous élever maintenant, contre toute force des ténèbres qui attaquent notre journée. Qu'est-ce qu'ils ont planifié? Les programmations. Nous voulons déprogrammer toute programmation mystique sur nos journées dans le nom puissant de Jésus. Lève ta main droite et dis à moi, Père, au nom de Jésus, que toute programmation mystique de la sorcellerie de la maison familiale contre ma journée soit anéanti, soit détruit, soit saccagé. Au nom puissant de Jésus, prie le Seigneur maintenant. Au nom de Jésus, je saccage, je saccage, je saccage, je saccage toute programmation satanique, toute programmation de la sorcellerie, toute programmation de la méchanceté, toute programmation des marabouts, que ce soit les programmations de la maladie, que ce soit les programmations des échecs, que ce soit les programmations de la peine, au nom de Jésus, je saccage, j'anéantis, je détruis par le feu, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'anéantis leur pouvoir, j'anéantis dans le nom de Jésus, je viens détruire leur programmation, leur programme est annulé, leurs agendas, je déchire, 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 je déchire leurs agendas dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, tout agenda planifié contre ma vie, contre la vie de mon épouse, de mes enfants,
contre ma maison, contre ma famille, contre mes entreprises, contre mes affaires, contre mes finances, contre mon contrat, contre mes démarches. J'anéantis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shekata Rabasonto. Zekete Lebo Santa. Mikanda Rabashinte. Ina Rabashinte. Sekanda Rabasonto. Nous voulons prier maintenant et demander au jour de se lever et de nous donner notre part. Ta part est dans cette journée. Tu vas commander au jour. La Bible dit dans le livre de Job, as-tu commandé au matin? Maintenant, tu vas commander à la journée. Que ton soleil se lève sur ta bénédiction. Au nom puissant de Jésus. Lève ta main avec moi maintenant et dis avec moi, au jour, lève-toi et donne-moi ma part en cette journée. Dis-le encore, au jour, lève-toi et donne-moi ma part en cette journée. Lève-toi encore, dis-le encore. Au jour, lève-toi et donne-moi ma part en cette journée. Au nom de Jésus, élève ta voix maintenant, commence à demander ta part. Réclame ta part, réclame ta part, réclame ta part, réclame ta part. Au jour, lève-toi et donne-moi ma part en cette journée. Ma part dans la réussite. Ma part dans le succès, ma part dans l'élévation, ma part dans la grandeur, ma part dans le succès, ma part, je demande ma part, je demande ma part, je demande ma part dans la prospérité, je demande ma part dans la bonne santé, je demande ma part dans la joie, je demande ma part dans la paix, je demande ma part dans la réussite. Je demande ma part, que tout ce que j'entreprendrai en ce jour, que ma part me soit donnée, que ma part me soit donnée, que ma part me soit donnée. Ma part ne sera pas pour l'ennemi, ma part ne sera pas volée, ma part ne sera pas arrachée, ma part ne sera pas retardée. Je réclame ma part, je réclame ma part, je réclame ma part. Tu entends ma voix, journée d'aujourd'hui, tu entends ma voix, journée d'aujourd'hui. Je réclame ma part, donne-moi ma part. Donne-moi ma part, donne-moi ma part, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Nous voulons prier, nous continuons. Aujourd'hui, tu vas réclamer et récupérer, posséder ce qui t'appartient. Nous allons prier maintenant et nous allons attaquer maintenant tous les pouvoirs qui viennent pour voler nos bénédictions. Nous allons les maudire. Dans le nom de Jésus, ils ont déjà programmé des choses. Toi, tu dormais encore. Ils ont programmé. Tu vas attaquer maintenant. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Lève ta main droite et déclare-le fort. Dis maintenant que tout pouvoir qui vient pour voler ma bénédiction, qui vient voler mes bénédictions en cette journée, soit maudit au nom de Jésus. Dis encore, Père, au nom de Jésus, que tout pouvoir qui vient voler mes bénédictions soit maudit. Au nom de Jésus, dis encore, Père, au nom de Jésus, que tout pouvoir qui vient voler mes bénédictions en cette journée soit maudit. Au nom de Jésus, commence maintenant à envoyer le feu. Au nom de Jésus, j'envoie le feu sur tous les pouvoirs mystiques, tous les pouvoirs de la sorcellerie, tous les pouvoirs sataniques. Qui viennent voler ma bénédiction en cette journée. Fire, fire, fire. Je l'ai maudit, je l'ai maudit, je l'ai maudit, je l'ai maudit. Sur ma journée bénie, ceux qui viennent pour voler mes bénédictions, je l'ai maudit, je l'ai maudit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'envoie le feu, 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 j'envoie le feu. J'envoie le feu au nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Nous continuons et nous voulons prier. Tu vas prier maintenant que tout pouvoir de méchanceté qui existe dans les lieux élevés, dans les lieux célestes, rappelez-vous bien, dès le départ il y a eu guerre au ciel, donc cette guerre est continue. Dans les lieux élevés, tout pouvoir, je dis bien tout pouvoir de la méchanceté dans les lieux célestes, qui viennent de ta famille, qui viennent hors de ta famille, qui viennent de tes ennemis au travail maintenant. Tu vas envoyer le feu dans le nom de Jésus. Tu vas envoyer le feu maintenant. Lève ta main droite et déclare le fort maintenant. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus, que tout pouvoir de la méchanceté élevé dans les lieux élevés contre moi, contre ma famille, soit anéanti par le feu.
au nom de Jésus. Père, que tout pouvoir de la méchanceté qui exerce dans les lieux élevés contre ma vie, contre ma famille, en cette journée, soit anéanti par le feu. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. J'envoie le feu sur les pouvoirs mystiques, sur les pouvoirs de la méchanceté qui exercent. La méchanceté dans la famille, la méchanceté au travail, la méchanceté en milieu d'affaires, la méchanceté en milieu sportif. Je m'élève contre vous. Je m'élève contre vous. Vous qui exercez dans les lieux élevés, dans les lieux célestes, j'envoie le feu dans les airs. 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 J'anéantis vos forces. J'anéantis votre pouvoir. Je vous brûle. Je vous consume par le feu. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, au nom de Jésus, que les pouvoirs qui s'élèvent pour s'opposer à cette prière soient frappés de mort par le feu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'ils soient frappés de mort par le feu, qu'ils meurent par le feu, qu'ils meurent par le feu, qu'ils meurent par le feu, dans le nom de Jésus, 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 Mache Katano Rabasente. Nous continuons la prière. Nous voulons prier maintenant. Nous voulons anéantir toute parole d'affliction relâchée contre nous dans les lieux élevés au nom puissant de Jésus. Lève ta main droite maintenant et dis avec moi maintenant, Père, selon ta parole, toute langue qui s'élèvera contre moi en justice, je condamnerai. Je viens maintenant anéantir toute parole d'affliction qui est envoyée contre ma journée dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, anéantis les paroles d'affliction, les paroles qui disent que tu ne feras pas, les paroles qui disent que tu ne réussiras pas, les paroles qui disent que tu ne prospéreras pas. J'anéantis les paroles d'affliction sur ma journée. J'anéantis les paroles d'affliction sur ma maison. J'anéantis les paroles d'affliction sur ma famille. Dans le nom de Jésus, Yahweh, tu m'as dit que toute langue qui s'élèvera contre moi en jugement, je condamnerai, je condamne. Je condamne la langue des sorciers. Je condamne la langue des jaloux. Je condamne la langue des méchants. Je condamne la langue, Seigneur mon Dieu, des envieux. Je condamne leur langue. Je condamne leur langue. Je condamne leur langue. Je condamne leur langue. J'anéantis les mauvais pronostics. J'anéantis les mauvais pronostics. Dans le nom de Jésus. J'anéantis les fausses prophéties. Dans le nom de Jésus. J'anéantis. 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 J'anéantis ce qu'ils ont établi, Seigneur, dans leur conciliabule. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shakatana Rabasonto. Mena Rabasonto. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Continue à prier. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons prier maintenant. Et tu vas prier maintenant. Et tu vas anéantir l'influence de tout mauvais rêve sur ta journée. Parfois nous dormons la nuit et nous rêvons une mauvaise chose. Et cette chose-là gâche toute notre journée. Elle commence à influencer tes rendez-vous. Elle influence tes contrats, tes contacts et tout ce que tu as fait dans la journée. On va anéantir maintenant ce pouvoir dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant de Jésus, lève ta main et dis, Père, dans le nom de Jésus, j'anéantis toute influence de mauvais rêves sur ma vie et sur ma journée. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Yahweh, j'anéantis par le feu. J'anéantis par le feu. J'anéantis le pouvoir du mauvais rêve. Dans le nom de Jésus, j'anéantis son influence sur ma journée. J'anéantis son influence sur le déroulement de ma journée. J'anéantis son influence sur toutes mes démarches, sur tous mes rendez-vous. J'anéantis son influence. J'anéantis son influence dans le nom de Jésus. Mauvais rêve. Tu restes dans le monde invisible. Je te détruis. Je te détruis. Je te détruis. Je détruis ton influence. Je détruis tes effets. Au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier maintenant. Et nous allons maintenant commander que toute flèche qui est lancée, toute flèche satanique qui est lancée contre toi en cette journée, que le soleil se lève contre elle, que le soleil la consume, et que le soleil se lève contre elle, que la journée d'aujourd'hui soit contre toutes les flèches de tes ennemis, dans le nom puissant de Jésus. Lève ta main droite et dis avec moi, Père,
Au nom de Jésus, que toute flèche lancée contre moi en cette journée, que ton soleil s'élève contre elle et qu'elle retourne à l'expéditeur. Dans le nom de Jésus, prie le Seigneur. Yahweh, je viens détruire toute mauvaise flèche. Les flèches des afflictions, les flèches de la peine, les flèches des échecs. Dans le nom de Jésus, je commande qu'elle retourne, qu'elle retourne, qu'elle retourne, qu'elle retourne. Dans le nom de Jésus, aux expéditeurs, à celui qui l'a lancé. Dans le nom de Jésus, Yahweh, mon Dieu, que quiconque, Seigneur, a lancé une flèche pour me cibler en cette journée. Yahweh, que le soleil s'élève contre les flèches de l'ennemi. Que le soleil s'élève contre les flèches de l'ennemi. Dans le nom de Jésus, qu'elle retourne aux expéditeurs. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, qu'elle soit nulle et sans effet sur ma vie, sur ma famille, dans ma maison, dans le nom de Jésus, dans mes affaires, dans le nom de Jésus, dans toutes mes entreprises, qu'elle soit nulle et sans effet, dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous voulons prier et nous continuons maintenant. Nous voulons maintenant attaquer les flèches de la sorcellerie. Nous voulons demander que toute flèche de la sorcellerie qui est lancé contre nous, retourne à l'expéditeur. Lève ta main droite et dis avec moi, Père, que toute flèche de la sorcellerie lancée contre moi, retourne à l'expéditeur au nom puissant de Jésus. Élève ta voix, prie le Seigneur. Yahweh, que toute flèche de la sorcellerie du travail, la sorcellerie de la famille, la sorcellerie du voisinage, la sorcellerie, Yahweh, que je ne vois pas, et même celle que je ne connais pas, qui lance des flèches contre moi, que leur flèche retourne. Qu'elle retourne, qu'elle retourne, qu'elle retourne, qu'elle retourne, qu'elle retourne aux expéditeurs dans le nom de Jésus. Qu'elle retourne aux expéditeurs dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Quelles que soient les flèches qu'il lance, qu'elle retourne, qu'elle retourne, qu'elle retourne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sebrakatarabas sekete. Nous voulons prier maintenant et nous voulons récupérer tout ce qui nous a été volé dans la nuit. Tu vas récupérer ce qui t'a été volé dans la nuit, pendant que tu dormais, pendant que tu dormais, pendant la nuit. L'ennemi vient pour voler ou bien l'ennemi vient pour semer des mauvaises choses. Deux choses, nous allons déraciner. N'est-ce pas, vous vous rappelez bien l'histoire de l'ivraie, n'est-ce pas, et de la bonne semence et du blé. On dit que le semeur a semé sa bonne semence. Et l'ennemi pendant la nuit, pendant que les gens dormaient, est venu semer l'ivraie. Alors nous allons nous lever maintenant et nous allons déraciner. La Bible déclare que toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Toute plante que le Père n'a pas plantée doit être déracinée. Alors nous allons déraciner toutes les mauvaises semences. Nous allons déraciner toutes les mauvaises semences dans le nom de Jésus et récupérer ce qui nous a été volé pendant la nuit. Élève ta voix maintenant. Prie le Seigneur. Yahweh mon Dieu, tu me donnes le pouvoir de déraciner. Je déracine les mauvaises plantes. Les mauvaises plantes que l'ennemi est venu semer dans mon temps de sommeil. Je déracine. Je déracine, Seigneur mon Dieu, les semences d'échecs. Je déracine les semences de peine. Je déracine les semences d'affliction. Je déracine les semences de détresse. Je déracine les semences d'échecs. Je déracine les semences de maladie. Je déracine les semences de pauvreté. Je déracine les semences de malchance. Je déracine, je déracine, je déracine, je déracine. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, maintenant, je viens récupérer tout ce qui m'a été volé pendant la nuit. Je poursuis l'ennemi. Je poursuis, je poursuis, je poursuis, je poursuis. Où qu'il aille, Seigneur, je m'en vais aussi. Où qu'il entre, j'entre également. Je poursuis, j'attrape, je récupère, je récupère. Je récupère mon bonheur, je récupère mes bénédictions, je récupère mon succès, je récupère ma réussite, je récupère ma santé, je récupère mes finances, je récupère ma montée, je récupère ma promotion, je récupère ma gloire, je récupère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Continue à récupérer, récupère ce qu'on t'a volé, récupère ce qu'on t'a volé. Je dis récupère, récupère, récupère. Récupère, ne laisse pas l'ennemi partir avec. Récupère dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Nous voulons prier maintenant. Nous voulons détruire les afflictions de la journée. Les afflictions de la journée, nous voulons les détruire dans le nom de Jésus. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus, je détruis toutes les afflictions de cette journée.
Au nom puissant de Jésus, prie maintenant, commence à les détruire. Je détruis les afflictions sur ma vie. Je détruis les afflictions sur la vie de mon épouse. Je détruis les afflictions sur la vie de mes enfants. Je détruis les afflictions, Seigneur, le long de cette journée, sur toute démarche que j'ai à faire, sur tout ce que j'ai à accomplir en cette journée. Je détruis les afflictions. Je détruis les afflictions. Je détruis les afflictions. Je détruis les afflictions. Tu m'as dit que ce que je lirai sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que je délierai sera délié dans le ciel. Je détruis. Je détruis. Je détruis. Je détruis. Je détruis, je détruis, je détruis, je détruis. Au nom puissant de Jésus. Alléluia Seigneur. Nous voulons prier maintenant. Tu vas dérouter les agents, les agents de la malchance qui te poursuivent. Beaucoup de personnes marchent. Les choses ont déjà été bloquées. On t'a même donné un rendez-vous. Mais on dirait toujours que dès le jour J, il y a quelque chose qui vient sur le chemin pour tout gâter. Je les appelle les agents de la malchance. Ils ne te suivront pas aujourd'hui. Ils ne marcheront pas avec toi aujourd'hui. Tu vas dérouter leurs pas. Tu vas les envoyer loin de ta trajectoire. Au nom puissant de Jésus, lève ta main droite et dis, Père, au nom de Jésus, je déroute tous les agents de la malchance de mon chemin. Au nom puissant de Jésus, prie le Seigneur. Yahweh, que tous les agents de la malchance, ceux qui viennent causer des échecs, ceux qui viennent causer les déboires, ceux qui viennent causer la déception dans la journée, Yahweh mon Dieu, je les déroute. Je les déroute. Je les déroute de ma trajectoire. Je les déroute de mon chemin. Je les déroute. 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 Qu'ils soient déroutés. Qu'ils soient déroutés. Qu'ils soient désaxés. Dans le nom puissant de Jésus. Qu'ils soient déroutés. Qu'ils soient désaxés. Dans le nom puissant de Jésus. Que je passe à gauche. Qu'ils passent à droite. Que je passe à droite. Qu'ils passent à gauche. Que nos chemins ne se rencontrent pas. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Soyez déroutés. Agents mystiques. Agents de la malchance. Agents de déception. Agents de déboires. Soyez déroutés. Soyez déroutés. Soyez déroutés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chakatano rabasente. Ena rabasinte. Sheketeli yamasonto. Nous allons prier maintenant contre tous les défis de notre journée. Et nous allons demander que nos défis soient vaincus. Que nous remportons des victoires en cette journée, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Élève ta voix maintenant, commence à prier le Seigneur. Prie maintenant que tous les défis de cette journée, que tu les remportes. Prie le Seigneur. Yahweh mon Dieu, Père Tout-Puissant, je viens prier pour tous les défis de cette journée. Yahweh mon Dieu, qu'il me soit assujetti. Qu'il me soit assujetti. Qu'il me soit assujetti. Yahweh mon Dieu, que je domine et que je remporte. Qu'il soit vaincu dans le nom puissant de Jésus. Avec toi, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, avec toi, les défis, Seigneur, je les remporterai. Sur les défis, Seigneur, je les remporterai. Avec toi, Seigneur, je vais de victoire en victoire, de gloire en gloire. Au nom puissant de Jésus, que toute force de l'ennemi, Seigneur mon Dieu, me soit totalement assujettie. Dans le nom de Jésus, je prends le dessus, je prends de l'ascendance, je marche en cette journée devant tout défi devant moi. Je remporte, je remporte, je remporte, je remporte, je remporte, je remporte. Dans le nom de Jésus, je déclare, Seigneur mon Dieu, au nom puissant de Jésus de Nazareth, que tous les défis de cette journée, Yahweh, j'en viens à bout. Sur tout, Seigneur, je gagne, car je suis plus que vainqueur, je gagne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons prier maintenant. Et nous voulons demander que notre système désobéisse au programme établi pendant la nuit. Au nom puissant de Jésus. Dis maintenant avec moi, Père, au nom de Jésus, que mon système désobéisse et rejette toute programmation programmée contre ma vie et contre ma destinée pendant toute la nuit, contre ma journée, que tous les programmes qui ont été programmés, que mon système désobéisse tout autour de moi. Dans le nom de Jésus, prie le Seigneur maintenant. Yahweh, que mon système désobéisse aux programmations qui ont été programmées pendant la nuit contre ma journée. Dans le nom de Jésus, que mon système désobéisse, qu'il ne marche pas en convergence, mais qu'il marche, Seigneur mon Dieu, en sens inverse avec la programmation. Dans le nom de Jésus, que mon système marche à l'inverse, que mon système fonctionne à l'inverse, que mon système fonctionne à l'inverse, que mon système fonctionne à l'inverse, qu'il ne obéisse pas, qu'il n'obéisse pas, qu'il ne se soumette pas, Yahweh mon Dieu, aux programmations
mystique de la nuit, Seigneur, dans le nom de Jésus. Que mon système rejette, que mon système rejette, que mon système soit allergique, que mon système rejette et que mon système fonctionne inversement dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Shakatando Rabasente. Nous voulons prier maintenant. Nous voulons prier que tout vent de malédiction qui souffle contre nous retourne à l'expéditeur. Tu vas prier, dis avec moi, Père, au nom de Jésus, que tout vent de malédiction qui souffle contre moi et ma maison retourne d'où il vient. Retourne d'où il vient. Retourne d'où il vient. Au nom de Jésus, retourne les vents de malédiction. Que tout vent de malédiction qui souffle, Seigneur mon Dieu, contre moi, qui souffle en ma direction, qui souffle contre ma maison, retourne, Seigneur mon Dieu, d'où il vient. Qui retourne d'où il vient. Qui retourne d'où il vient. Je retourne les vents de malédiction. Je retourne les vents au nom puissant de Jésus. Qui retourne à ses origines. Qui retourne à ses origines. Qui retourne à ses origines. Qui retourne à ses envoyeurs. Qui retourne à ses envoyeurs. Qui retourne à ses envoyeurs. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia Yahweh. Que les vents retournent. 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 Qu'ils ne nous atteignent pas. Qu'ils retournent d'où ils viennent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mashekata Tarabasonto. Nous voulons maintenant prier. Et nous voulons maintenant que toute malédiction familiale qui influence notre vie soit complètement anéantie. Complètement. Elle ne va pas réussir sur ta vie en cette journée. Elle ne va pas réussir à déstabiliser ta journée. Au nom puissant de Jésus. Prie le Seigneur maintenant. Prie le Seigneur. Lève ta main et dis, Père, que toute malédiction familiale qui influence ma vie soit détruite, soit détruite, soit détruite, soit détruite dans le nom de Jésus. Qu'elle soit détruite sur moi, qu'elle soit détruite sur ma famille, qu'elle soit détruite sur moi, qu'elle soit détruite sur ma femme, qu'elle soit détruite sur mes enfants, qu'elle soit détruite sur mes affaires. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Yahweh, je détruis le pouvoir de la malédiction familiale. Que toute malédiction familiale, Yahweh mon Dieu, qui cherche à influencer ma vie, influencer ma journée, qu'elle soit détruite, 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 qu'elle n'affecte pas ma vie, qu'elle n'affecte pas ma journée, qu'elle n'affecte pas mes enfants, qu'elle n'affecte pas mon épouse, qu'elle n'affecte pas mon foyer. Dans le nom de Jésus, je détruis, je détruis, je détruis, je détruis, je tue les malédictions, je tue les malédictions, je tue les malédictions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons prier maintenant et nous voulons attaquer les pharaons. Vous savez, la parole de Dieu était simple. Dieu dit à Moïse, tu diras à Pharaon, laisse aller mon peuple. Tu vas dire à Pharaon aujourd'hui que tout pharaon ancestral qui te retient, qui te laisse aller, que tout pharaon qui retient tes affaires, laisse aller tes affaires au nom puissant et glorieux de Jésus. Lève ta main droite et dis avec moi, Père, que ta parole me soit donnée, que l'autorité me soit donnée pour parler au pharaon de ma vie. Maintenant, que les pharaons ancestraux qui retiennent ma vie, écoutez la parole de Dieu. Laissez-moi aller, laissez-moi aller, laissez-moi aller. Je me libère de vous. Je me libère de vos chaînes. Je me libère de vos chaînes. Prie le Seigneur. Prie, 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 prie. Je me libère de vos chaînes. Au nom de Jésus. Je me libère de vos chaînes. Laissez-moi aller. Laissez-moi aller. Laissez aller ma famille. Laissez aller ma famille. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je vous envoie le feu. 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 Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prier maintenant. Et tu vas décréter avec moi. On reste sur les pharaons. On reste sur les pharaons. Tu vas crier maintenant, Père, au nom de Jésus, je suis rempli de ton autorité. Et je parle au pharaon. Pharaon, qui retienne mon travail. Pharaon, qui retienne mes papiers. Pharaon, qui retienne ma promotion. Laissez aller. Laissez aller. Laissez aller mes papiers. Laissez aller mon travail. Laissez aller ma promotion. Laissez aller. Je vous envoie le feu sur vos mains. Laissez aller, laissez aller, laissez aller, laissez aller. Au nom de Jésus, si vous n'obéissez pas, dix plaies contre vous,
10 plaies contre vous. 10 plaies contre vous. 10 plaies contre vous. Dites avec moi, feu. C'est la première plaie. Dites encore feu. Deuxième plaie. Dites encore feu. Troisième plaie. Dites encore feu. Quatrième plaie. Dites encore feu. Cinquième plaie. Dites encore feu. Sixième plaie. Dites encore feu. Septième plaie. Dites encore feu. Huitième plaie. Dites encore feu. Neuvième plaie. Dites encore feu. Dixième plaie. Il te laisse aller maintenant. 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 Il te laisse. Prends tout ce qui est à toi et pars. Pars. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier finalement que les anges de notre journée nous localisent. Que les anges de notre journée nous localisent. Les anges de nos bénédictions. Il donnera ses ordres à ses anges, à ton sujet. Dieu donne des ordres pour que les anges viennent te servir. Dis avec moi, Père, donne tes ordres à tes anges de bénédiction, à mon sujet, afin que ma journée soit bénie. Que mes bénédictions me localisent et que mes bénédictions m'arrivent sans aucune obstruction, sans aucune escale. Au nom puissant de Jésus, que les anges de mes bénédictions, papa, qu'ils me localisent, qu'ils me localisent, qu'ils me localisent, qu'ils me localisent, qu'ils me localisent et qu'ils viennent avec mes bénédictions dans le nom de Jésus. Qu'ils viennent avec mes bénédictions dans le nom de Jésus. Qu'ils viennent avec mes bénédictions dans le nom de Jésus. Que ma journée soit bénie. Que je sois béni quand je sors. Que je sois béni quand j'entre dans toutes mes démarches. Que tes anges m'escortent et que mes démarches soient bénies. Que mes démarches soient bénies. Je sors et je reviens avec des réponses positives. Je sors, je reviens avec, Seigneur mon Dieu, la joie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la joie m'accompagne, dis-le. Que la paix m'accompagne. Que l'assurance m'accompagne et que la bénédiction me précède. Au nom précieux de Jésus. Amen. 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 Que l'Éternel vous bénisse. Et je vous dis à très très bientôt pour des prières atomiques.